enfin, je ne sais pas si ça va répondre. Vous pensez, l'être, un être humain, on est tous semblables avec des différences, c'est-à-dire dans la conscience, dans l'être, on est. Non, mais c'est pas différent. Mais pourquoi, en fait, c'est vrai? On veut que nos différences soient meilleures que les différences des autres. Non, non, il ne faut jamais se comparer, madame. Comment? Ne jamais vous comparer aux autres. On est tous non, mais c'est ça. Je me pose la question parce que là, on était en train de discuter, mon frère, mon mari. Non, moi, non, 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 je me disais que c'est fou, quoi, quand on est en train de discuter. On n'accepte pas les différences des autres, on voudrait qu'on accepte notre façon de voir, mais pas notre façon de voir. C'est ça, c'est ça. C'est l'éducation mauvaise, c'est-à-dire l'éducation qu'on nous a. Oui, c'est pour ça. On est tous différents, on est tous uniques. Voilà. Donc, quelle est votre énergie pour les comparer Donc, c'est pour plaire, comme tu dis. Voilà. Oui, c'est ça. Pour être accepté, pour entrer dans le monde. Oui, non. Comme il dit, non, perdez pas votre sens. C'est ça, toute ta vie, on te dit. Oui, c'est ça. On te dit, il ne faut pas. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela. On te formate. En 10 ans, il ne faut pas être ceci, il ne faut pas être cela, on est en train de te formater. On est en train de te dire comment tu devrais être. Moi je dis, il ne faut jamais dire ça. Il faut accepter de voir l'autre comme ça. Parce que c'est ce qu'il y a, les faits sont là. Et accepter les faits. Si tu n'acceptes pas le fait, ben, tu ne pourras pas aller ailleurs, transcender tout ça, voir quelque chose au-delà de ce que tu penses. Parce que ce que je pense, je me dis, fais pas ça, parce que moi, c'est ce que j'ai compris. Donc tu es en train de dire à l'autre comment tu penses. Le non-jugement, c'est ça, monsieur. Hein? C'est le non-jugement. Voilà, c'est juste accepter les autres tels qu'ils sont. Comme ils sont, qu'ils soient gentils, méchants, grands, gros, gras, misérables, bon, pas misérables, bon, criminels ou pas. Accepter. Accepter, mais avec une acceptation que tu sais que la personne en face de toi, elle est toi. C'est toi. Ne te porte pas supérieur en disant moi je sais qu'il faut être comme ça. Sois juste accepte que tu es aussi. Quand tu as accepté de voir dans le monde ce qui est bien et ce qui est mal, sans même juger, alors tu vas passer au-delà de toutes les différences. Ce sera naturel chez toi. Tu seras serein quand tu vas voir les choses qui sont différentes. Tu seras serein. Parce que tu ne juges pas, tu ne veux rien, tu n'attends rien de personne. Accepter. Est-ce qu'on est capable de s'accepter comme ça? À subir, hein. Accepter, ça ne veut pas dire subir aussi. Oui, donc on peut trouver le juste milieu. Hein. Ah non, pas subir. Si on se connaît, c'est accepter, pas subir. Pas. Ouais, là où c'est difficile, c'est de pouvoir. Ça, j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est le jugement, souvent on dit que c'est juger quelqu'un dans le côté mal. Mais je trouve qu'on n'insiste pas assez. Là, j'ai pris conscience de ça dernièrement. C'est quand on est en train de dire « Ah, tu as fait ça, mais c'est bien. » Et ça aussi, c'est un jugement. Et ça, on se laisse tenter à faire ça. Pour nous, on se remet pas en cause. Hein. On est bien dans le jugement, en train de juger quelqu'un, qu'est-ce qu'il a fait, on le trouve bien. Donc ça veut dire que lui, il va toujours essayer de faire mieux. Il va faire attention à la prochaine fois. Si, mais tant que tu lui dis qu'il a fait ça, ah d'accord. C'est tout. Tu es d'accord, hein, mais tu n'as pas à juger si c'est bien ou c'est mal. Mais dès qu'à chaque fois que tu dis c'est bien, eh bien, tu es dans le jugement, sinon prends conscience que dire c'est bien telle chose, c'est un jugement. Ben, tu vois, tout ce que tu dis là, ça revient vraiment à ce que je suis en train de faire surgir, c'est que tout s'arrête. Qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. J'accepte le cafard autant que j'accepte le papillon. Ah bon, on n'écrase plus le cafard? Casse plus le cafard. Tu le dis. Mais comme il dit, par exemple, il ne faut pas dire par exemple, il ne faut pas dire c'est bien ou c'est mal. Mais comment, je ne sais pas, encourager l'autre. Alors, quelle expression, quel mot, quel terme utiliser? J'aime. Vous voyez ce que je veux dire, mais je prends dans notre quotidien, c'est pas peut-être que encourager quelqu'un. Non, mais quand il c'est bien, peut-être. Pourquoi c'est bien? C'est parce que si c'est une expression qui était formatée dans notre tête, comme qu'on dit ok, maintenant, vous voyez ce que je veux dire, peut-être aussi.
Il dit ça pour, parce qu'il était formaté pour faut dire comme ça, par la politesse, par la poésie. Tu sais pas, mais en fait. Oui, parce qu'est-ce qu'il faut utiliser comme ça? En face, il y a de la tombe aussi. Comment faire à ce moment-là? Il suffit d'apprendre, de faire une habitude différente, quoi. De ne plus se leurrer là-dessus. Et toujours dire, mais donc, c'est bien. Il ne faut plus dire ces expressions que nous avons formatées, c'est bien, ok, alors qu'est-ce qu'il faut dire? C'est bien de prendre conscience quand on le dit. Mais c'est dans les arrêts. C'est pas ce que je sens pas. C'est difficile, ces interactions humaines. Ça peut être dit, c'est pas ça. Mais on ne dit rien, alors, on reste neutre. Je sais que par la base. Le mot, tout ce qu'on utilise. Comme mot, ce sera un conditionnement. Le mot est conditionné. Oui, c'est pour comment faire des programmes et des conditionnés. C'est pour ça qu'il faut que toi, tu saches lire entre les mots et faire l'action juste. Quand il y a l'action juste, l'action parle plus que le mot. C'est vrai. Okay? Donc, ce que tu vas faire devant une situation, c'est ça qui va compter. C'est pas ce que tu dis. Ce que tu dis sera l'expression, peut-être, de quelque chose que la personne va comprendre à tort. Oui, peut mal. Okay? Parce que nous comprenons tous chacun le mot à notre façon. L'autre là-bas, il va parler de Dieu, l'autre là-bas, il va comprendre Dieu de machin, l'autre va passer une grande barbe avec une pipe dans les veines avec autour des anges, l'autre là-bas, il va dire ah, ben, c'est l'église. C'est innombrable, nos façons de regarder les choses. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de commun entre nous. C'est cette intelligence dans laquelle on communique, on communie, quand on est en communion les uns avec les autres. Il y a quelque chose qui se passe. Tu sais, ce que tu es là, si je suis vraiment en contact avec toi, vraiment, sans apparence, sans ce que mes pensées proposent, alors, ce que je découvre, qu'est-ce que je découvre en toi? Ben, je découvre moi. Je suis dans toi. Ce que tu es, c'est moi. Et jamais plus de ma vie, je te ferai du mal. J'aimerais ce que je suis. Tu comprends? Et c'est ça le problème, c'est qu'on a toujours tendance à regarder la différence. On a toujours tendance à dire, mais lui, il n'est pas comme moi. Moi, je fais comme ça, mais lui, il fait comme ça. C'est un ski, ça, mais ça. Et toujours, c'est toujours l'autre qui est plus vilain que toi, jamais toi. Tu sais, quand tu juges quelqu'un, c'est toujours toi le plus juste. Tu vois, on se met toujours en haut, tu sais, pour juger. Donc, le jugement vient de celui qui a l'arrogance. Et quand il n'y a pas de jugement, il y a l'humilité. L'humilité d'être ensemble, de s'accepter. Et cette humilité, dans cette humilité, se joue la relation humaine, la vraie relation humaine, où on est en contact. Il y a un moyen de se rapprocher. Mais encore une fois, pourquoi c'est si difficile de se rapprocher les uns des autres? Nous finissons toujours nos vies avec un divorce ou avec une bataille. On n'est jamais en paix. Est-ce parce que nous ne sommes pas en paix nous-mêmes que nous n'arrivons pas à vivre avec l'autre? Parce que nous n'acceptons pas l'autre? Parce qu'on le juge, parce qu'on lui dit que lui devrait être en nous? Nous jugeons. C'est notre miroir. Voilà. Et ce miroir, il est dans tout. Il est dans tout. C'est-à-dire, plus au sommet du miroir, il y a, quand tu te regardes dans ce miroir en face de toi, tu peux voir tout. Tu peux voir même le petit bouton là, tu regardes, tu sais, qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais ça, c'est l'apparence, vous parlez de profondeur de l'âme. Dans le miroir, tu peux voir tout ce que tu es. Tu peux voir ta violence, tu peux voir l'être que tu es vraiment. Parce que tout ce que l'autre est, c'est toi. De A jusqu'à Z.
C'est pour ça que moi je dis. Si on est en face d'un violon d'enfant, c'est nous aussi. Bien sûr. Ouais. C'est de janvier jusqu'à décembre, c'est toujours moi. Il n'y a pas. Mais on se met déjà. Alors, et tu recommences l'année prochaine, c'est toujours moi qui reviens. C'est ça. Non, non, je ne comprends pas. Si on est face à un violeur d'enfant, son énergie miroite dans mon énergie. C'est pas un... Non, c'est pas son énergie. C'est pas son énergie. Non, moi, je me prépare. D'un côté violeur, je comprends pas. C'est pas un côté violeur. C'est-à-dire, c'est, quand tu prends conscience que tu es tout, et bien dans tout, il n'y a plus rien à côté. Donc, il faut que tu prennes conscience que tu es tout ça. Soit tu es tout ça, soit tu n'es pas tout ça. C'est ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas enlever et faire le tri. Quand tu fais le tri, ben là, tu n'es plus le tout. Et quand tu es prends conscience que tu es vraiment le tout, et bien il y a tout ça. Oui, tu fais partie de mon monde extérieur. C'est toi. C'est moi d'interpréter. Je suis face à un violeur, je ne comprends pas là, parce que j'aime bien le concret. Mais non, mais je prends ton exemple. Mais moi je suis toi. Peu importe qui je suis toi. Donc, le violeur, ça se peut que je suis un violeur par exemple, eh bien, je suis moi, ça rien changer. Je serai toujours moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir, mais tout, on est tout. Tout ce qui est. Ah, être. C'est-à-dire, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de dire, c'est identité. Ce que tu es en tant qu'être humain, tout l'héritage de ton ADN dans ton corps. Tu as hérité de l'animal, tu as hérité de tout ça. Le quotidien, l'animal. Mais tout ça, c'est en nous. Nous sommes ça. Oui. Et tout le monde sait ça. Ah, d'accord. Tu comprends? Moi, j'ai compris quand il dit violeur d'enfant que j'ai un peu. Mais attends, maintenant, l'autre qui a violé un enfant, tu ne vas pas violer l'enfant. Parce que tu vas te retenir. OK? Mais tu sais comment il fonctionne. Tu sais parce que tu connais comment ça fonctionne en toi. Oui. Tu peux comprendre un violeur, tu peux comprendre un assassin. Parce que tu connais l'enjeu qu'il faut mettre dedans pour faire arriver que cette chose existe. Donc on est tous le mouvement de la race humaine entière. Mais ça ne veut pas dire que toi, pour comprendre l'hypocrisie, tu as besoin d'être hypocrite. Bon. Si tu vois un bouc en train de boire la rate dans le chemin là-bas, tu n'as pas besoin d'aller voir la rate pour comprendre qu'est-ce que c'est. Tu comprends? Mais tu es tout ça. Oui, on fait partie d'un tout. Bien sûr. Oui, l'univers, j'ai compris là. L'univers, c'est nous. Oui, le collectif. Okay? Oui. Okay? L'individu n'existe pas. On est tous interdépendants. Mais l'individu n'existe pas. En tant qu'entité, seul être. Ça n'existe pas. Là, c'est-à-dire, moi qui a été forgé avec mon caractère, mon personnage, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'arbre, tu ne prends pas l'arbre parce que l'arbre est dans l'univers. Voyons. C'est une notion de l'univers. D'accord. Mais c'est-à-dire que l'univers, c'est nous. Oui. Ok. C'est l'arbre, c'est au-delà de l'arbre. C'est tout. Tout ce qui existe. Tout ce qui est matière dans l'univers, il y a seulement, d'après la science, il y a seulement 5% de matière dans tout l'univers. Une théorie, disons. Moi, je trouve ça très... Ça me rapproche de ce qu'on peut comprendre. Nous sommes la matière. Il y a 5% de matière dans l'univers, le reste, c'est rien. C'est tout l'inconnu qu'on nous invite à aller découvrir. Voilà. Et nous, on reste accrochés à nos 5%. Exactement. Et ce que nous sommes est issu de rien. Parce qu'au début, il n'y avait rien. Mais rien a manifesté quelque chose. Nous sommes devenus la matière. Voilà. Et cette matière, c'est justement quelque chose qui s'est. Quand la vie, le rien, rentre dedans, il y a un phénomène d'identification. Oh, c'est moi, oh, c'est bien, j'aime bien ça, oh, j'aime bien, oh, ouais. Tu comprends? Et tu t'identifies à ça. Mais ce qui est dedans, c'est rien. Mais quand tu t'identifies à ça, eh bien, tu te donnes
une image, un personnage, un caractère, une forme, une étiquette. Et tout ça, c'est vous. C'est une illusion. Quelque part, il faut, pour, parce qu'on fait partie d'une société, il faut nous repérer à partir de cette étiquette éphémère, transitoire, etc. Tu n'as besoin de ça, parce que ta matière, il faut nous repérer, ça s'appelle une chaise, ça s'appelle une madame, vous voyez, ça s'appelle, il faut. Mais après, malheureusement, il faut aussi. Non, non, c'est pas malheureusement, c'est un fait. C'est que la matière, tu ne peux pas dire que je peux utiliser, je dois tout mettre sous le tapis. Parce qu'on est dans ce monde voilà, de matière. Cependant, il y a ce que tu as hérité de toute la race humaine avant toi, t'a permis d'être aujourd'hui comme tu es. C'est-à-dire, avant, tu avais une maison, mais c'était une grotte. Hein? Aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu comprendre, ben, tu as fait une maison. Mais il y a une intelligence là. L'évolution. L'évolution d'une intelligence qui a compris comment les choses peuvent évoluer. Ça, c'est aussi la pensée. Cependant, quand cette pensée a évolué, nous avons fait évoluer cette pensée dans nos vies respectives, okay? Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Hein? Nous avons plus de sécurité parce que nous avons, quand on était homme de Cro-Magnon, on a pris une petite lance comme ça avec un bout pointu, on a tué quelqu'un parce qu'il ne nous plaisait pas. Eh bien, aujourd'hui, on n'est plus en sécurité. On appuie sur un bouton aujourd'hui, ben, tu sais, on est. Tu vois, on a évolué dans ce sens-là. Ça, c'est ce que la pensée fait. Elle a évolué comme ça. OK ? Et elle a évolué pour que tu puisses avoir de la sécurité. Nous vivons dans un monde très sécurisant. Les femmes, elles peuvent sortir la nuit sans problème. Hein ? Après, de plus en plus. Avant, peut-être, l'Antiquité, les femmes, elles avaient peur. Il y a des récits comme ça où les femmes étaient violées parce que, voilà, c'était la logique. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde sécurisé. Trop. C'est cette pensée qui nous a donné ça. La pensée que nous avons besoin, que, comme tu dis, nous avons besoin de ça. Pour fonctionner dans ce monde. Oui. Pour fonctionner matériellement. Cependant, psychologie, pourquoi tu as besoin de penser? Quelle est l'utilité de la pensée psychologique? La pensée, elle est utile dans la réflexion. Pardon? La pensée, elle est utile dans la réflexion. Oui, elle est aussi dans la réflexion. Alors, fonctionner, ça veut dire fonctionner aussi. On fonctionne avec toute la... l'intelligence, avec se poser des questions, peser, la pensée elle fait ça, elle pèse, elle médite, penser, ça fait partie de la pensée, tout ça. Mais psychologie, à quoi ça sert? C'est-à-dire, quand toi, tu es ce que tu es, est-ce que tu as besoin de la pensée? Ah non, la pensée elle sert juste par exemple, comment je vais faire mon repas de ce soir par exemple. Exactement. Donc, psychologiquement, on a pris la pensée comme un compagnon pour nous accompagner, comme une béquille. On a dit, chérie, viens avec moi, quand tu es avec moi, je me sens bien parce que je me sens moins seul. Et puis, tu as inventé le couple où chacun s'appuie l'un sur l'autre, tu vois, pour traverser l'existence parce que tu ne veux pas être seul. Psychologiquement, il n'y a rien d'autre que la solitude. Il n'y a pas la non-solitude. Ce que tu es, c'est. Il n'y a rien. C'est seul. C'est naturel, ça. Mais tu ne veux pas voir ça. Parce que tu vois ta tête, elle est occupée tout le temps, sans jamais une seule moment de répit. Tu n'es jamais en paix. Donc ta tête est tout le temps comme ça. Et alors, la pensée l'occupe. Et elle vient faire le petit rat dedans. Tu sais, le petit hamster, tout dedans. Oui, la roue qui tourne, là, le hamster, là, ouais. Oui, l'hamster, la roue, là, ouais. Ouais. C'est ça. Et elle tourne. Mais c'est pas possible de couper la pensée. Justement, c'est cette pensée pour fonctionner, tu as besoin. Et il faut que tu considères, parce qu'autrement, tu seras un légume. Mais la pensée psychologique, il faut que tu
réalise que toute cette pensée, ce sont des mémoires. Elles sont issues de toutes les mémoires que tu as vécues et que tu voudrais faire exister. La joie que tu as eue hier, tu voudrais l'amener du passé, l'amener dans le présent et puis vivre avec ça parce que tu es morose. Mais non, mais tu es dans la nostalgie. Monsieur Roger, je ne suis pas d'accord là. Si on domine par l'ego, on domine son ego, oui, on peut enlever ses pensées toxiques, polluantes. Qui le domine? Non, mais moi-même, je me maîtrise moi. Mais c'est qui moi? Moi, c'est le non-ego. Tu vas aller batailler avec l'ego pour dire calme-toi. Parce que moi, je te donner. Calme-toi. Je te dis. Je parle à moi, je dis calme-toi, et ça calme. Tu vois, celui qui dit moi, je ne suis pas l'ego, eh bien, c'est une partie de l'ego. Oui, mais on peut maîtriser l'ego, on peut trouver le juste milieu. À partir du moment où il y a quelque chose qui maîtrise, il y a la dualité. Mais la dualité fait avancer, ça fait avancer quelque part. Ça fait avancer le monde tel que nous le connaissons.